L'émission ça une fois de plus. Jeudi à une émission d'analyse, d'information et de commentaires. Salut au monde qui est à l'étranger, qui écrit nous pour dire nous et recevoir une 5 sur 5. Nous disons merci. Nous saluons également les stations qui font le relais de cette émission à travers le pays. Salut tout le monde et me dis oh, bien content que à l'écoute et que aptan ça n'a porté pour vous en termes d'information et qu'ils n'ont pas fait en termes d'analyse. Ud, bonsoir. Et bonsoir Gary Pierre-Pochal, bonsoir à tout le monde captain des radios à un moment ça, bonsoir De Gaulle, Hervé, bonsoir, bonsoir à tout le monde et nous parlons pas les politiques, nous parlons faire analyse. Oui. Hervé, on commence avec nous là, qui joue. Bonsoir Gary, bonsoir Eudes, bonsoir De Gaulle, bonsoir toutes les fanatiques et Scoop FM, particulièrement émission Haïti Débat. Très bien. Tout d'abord, avant même de commencer par poser certaines questions à Hervé, qui a été dépêché dans le département de NIP pour le faire couverture d'un événement qui a un rapport avec l'assassinat de, ou bien la mort de militants de famille Lavalas. Nous devons dire que le pays a une situation extrêmement difficile. La crise économique, sociale, qui n'importe nous, cette crise frappe la porte des médias et des journalistes. Elle avait dit c'est à nous, les journalistes haïtiens, de faire de notre mieux pour aider à construire la démocratie et également à faire de notre mieux pour faciliter la compréhension de l'opinion par rapport aux actions que le parlementaire a posées, que l'exécutif a posé. Nous gardons donc une crise là qui est en gestation à partir de la question du dollar, même si le pouvoir a une lecture tout à fait différente du secteur privé des affaires. Nous remarquons tout, gagner une grève, un mouvement de grève au niveau de l'administration publique. Évidemment, un peu plus tard, nous pourrons recevoir des personnalités ou bien une monde qui est responsable de question de grève, ça, dans la douane qui a vu une balle avec nous, et association des consommateurs, IVNER, qui gagne pour le venir là, côté nous pour le fond de pour le fond analyse avec nous sur question ça. Même vous l'avez dit tout le monde, problème pays a, l'irrité un problème d'ordre politique. C'est-à-dire, monde qui a joué un rôle fondamental, un rôle pour changer pays ça, il n'a pas joué les gens pour jouer. Politiciens yo, ça veut dire moun ki vle k'ap fè politique active. Yo tann des moments dans l'histoire. Yo chercher des espaces politiques seulement pour faire politique, mais ou pa fèl de façon linéaire. Yo pa fèl et son base répétitive, yo pa fèl de manière continue. Ça veut dire ou pa ka non pays pour c'est le gon crise pour leader parler. Le pas qu'un pays pour une question qui vient rapport avec dollar, ça veut dire il dit à partir de telle date c'est good seulement transaction à faire dans pays là, et vous remarquez pendant une semaine politiciens a parlé de ça, cependant les forces réelles qui dans question politique, ça veut dire les partis politiques, partis comme OPL, ça veut dire un parti qui gagne la donne et mettre Henri Séan, Rémi Haïti, parti la paix, parti Judas. OK? Vérité. Vérité. Et bah, allez, non, il va partir Judas. OK? Ça veut dire, il n'y a pas de forme vérité qui partit Judas. C'est sur le bas. OK, ça veut la dire. Paix. Hein? La paix. La paix. OK, merci. La paix. Pas gagner une unité de vue. Pas gagner une chita par les fêtes. Sous question ça, soit pour dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec la décision du gouvernement,
ou du moins pour nous dire décision ça bon mais qui s'en a suggéré. Ça dit politique faite dans pays ça son politique pour critiquer, son politique pour mettre pouvoir dos au mur, son politique pour exclure l'opposition. Et c'est ça n'a payé aujourd'hui comme conséquence à tous les niveaux. C'est-à-dire les revendications peuvent être légitimes, mais revendications les formulées y a plus son base de confrontation et d'affrontement. Pas des monde qui chita et puis discuter pour l'État central là fait des réflexions et puis vous dit voilà ce que nous allons faire par rapport à telle situation. Ça me permet donc de comprendre pourquoi l'opinion en Haïti li aussi emballé dans n'importe qui décision d'État qu'a prend. C'est-à-dire yo prend décision goud là et yo dit décision ça pas bon et puis tout le monde dit le pas bon. Yo dit c'est pouvoir qu'a fait comme tout le monde pensait c'est comme ça. Il pas normal dans société côté pas gagne des leaders d'opinion. Pas qu'il y a des gens qui inspirent confiance et que parole yo ka vont pesant dehors, parole yo ka permettre opinion comprendre ça qui a passé. C'est pas parce que moun nan petite Dessaline ou bien le PHTK pas ka dire une parole qui correct. Mais l'on en politique en Haïti par exemple, mais prenons même Jean Wilson Lalo par exemple, comme économiste, comme professeur, si décision pas bon, Wilson a obligé soutenir. Parce que l'on est dans le pouvoir. Il n'est pas normal s'il n'est pas bon pour le soutenir. Et c'est ça qui fait nous un problème comme ça dans la gestion politique pays. Et c'est ça tout qui bat nous, tout effet pervers ça en matière économique et politique de pays. Et c'est ça tout qui bat nous, tout leader ça et tout résultat ça. Il n'est pas normal que vous évoluez dans le pays, ou vivre dans le pays. C'est ça ou gagne comme résultat politique. Il n'est pas normal de vivre dans le pays. C'est ça, comme si pas de débat fait sur des thématiques importantes qui permettent nous soit d'avancer ou bien pour nous comprendre ce qui va passer. Il suffit de comprendre pour exemple et pour dire oui, et en Dominicanie, c'est peso. En États-Unis, c'est dollar. Ce n'est pas ça, c'est trop simple. Pourquoi? Parce qu'un gros débat fait au niveau national sur ça. C'est-à-dire, on a quoi que l'État a pris une décision. Mais l'on prend une décision qui a affecté un pile secteur où on a dit l'État n'a pas à prendre contact avec les membres du secteur privé qui a libéré Zia. Mais quand même, on va vivre dans l'État. L'État se doit de respecter tout le monde qui est dans tout secteur. On a regardé aujourd'hui à ce qui a passé. Nous pourrons parler de ça un peu plus tard. Au niveau de la douane. Mais personne ne va comprendre ce qui a passé en bas. Les gens revendications, ils disent revendications satisfaites. Ils disent grève levée. En plus, ils descendent à APN, puis ils inspectent, ils ont marié. Et puis, grève la relance encore aujourd'hui. À qui est-ce ça profiter? C'est ça, nous besoin de comprendre. Dans le domaine ça. Nous avons un autre aspect avant de parler, avant, camarade. C'est la question d'information qui est au ministère des Affaires sociales. Il y a des millions de gouttes de chèques zombies qui viennent dans l'affaire sociale. Moun sa yo mouri et y a touché comme ça. Vous continuez à toucher le même sou, vous venez là. Information ça, vous sortez dans cinq pouvoirs, en deux pouvoirs même. Et c'est en deux pouvoirs que vous avez une nouvelle ça. Et vous gagnez, non, tout le monde qui prend un chèque ça et qui signe un chèque ça. Dans l'affaire sociale. Ce n'est pas normal. Nous ne pas vivre dans l'état sauvage. Ce n'est pas parce que vous êtes non-pouvoir. Ou te kon fon bagay, le coup n'y a eu commencé à prendre décision pour bloquer chèque n'est qu'à coup signé ou bien double signature et vous dit non pouvoir arabe. Et si vous avez un chèque, vous n'avez pas négatif, si vous avez un contrat, vous n'avez pas signé sous les bureaux, je dis le bout.
son gros désordre et c'est des millions de gouttes qui disparaissent dans le pays. Comment est-ce? Bonsoir Gary, bonsoir, nous te saluons déjà. Donc, nous avons fait un petit bad bouche avec auditeur et Scoop FM spécialement et Fanatic Haïti débat sur la situation qui a été développée et samedi 10 mars dernier dans Miragouane côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'était funérailles jeune Robinson François, nous connecté assassiné le 15 février dernier. Donc, il était retenu samedi dernier pour échanter funérailles. Donc, nous sommes arrivés, il était 10h du matin, la cérémonie funéraire a commencé. Donc, c'était en présence et en pile cadre famille Lavalas, par exemple, député Joseph Manès, lui, t'es gagné tout. Printemps Bélizère, qui s'est député 3e circonscription de Port-au-Prince, t'es gagné tout. Maître Axène Joseph, qui s'est représentant secteur démocratique et populaire, t'es gagné Schiller Louis d'Or, t'es gagné Yvon Feuillet, qui s'est cadre dans la famille Lavalas. Donc, la cérémonie a commencé très bien. Nous étions dans l'église là. C'était une église vraiment qui était regorgée de militants de base, de proches, de famille et jeunes. Et Robinson François qui était venu pour te rendre au dernier hommage. Donc, après la cérémonie funéraire là, donc, ils ont décidé de ne pas continuer avec ce cercueil là et dans Kobia. Mm-hmm. Donc, fanatiques, proches, et ils ont porté ce cercueil là, puis ils ont été capables de vivre avec elle. Jusque dans le cimetière là. Donc, et au niveau de Carrefour des Ruisseaux, c'est là que Bagala n'a pas le gâté. Chaque passé. Donc, au niveau de Carrefour des Ruisseaux, et il est bruit que vous avez retenu, puis vous avez fait 7 tours Carrefour des Ruisseaux. C'est ça que l'organisateur et cérémoniant te prévoit. Mm-hmm. Donc, il est là, coup de zame te marié, groupe Rivo, tap, échangé de tir. Là, dis coup de zame marié, qui est ça, qui est ça? Bon, mais... la police, elle m'a gagné à bouger. Oui. Bon, parce que nous pas placé pour nous dire qui est-ce qui t'a tiré contre qui est-ce. Non, mais est-ce... Non. Nous t'es identifié des individus qui t'a échangé de tir. Voilà, individus, civil armé. Donc, civil armé, effectivement. Mm-hmm. Qui t'a tiré contre la police. Et puis, le ça, tu es obligé, et c'est que là, tu es abandonné sur la voie publique. C'est que là, tout cadavre là. À tout cadavre là. Donc, plusieurs temps et circulation était bloquée sur national numéro 2. Hein. Donc, tout le monde qui était fait partie de convoi et funèbre était obligé d'abriter parce que la situation était venue un petit peu et incontrôlable. Donc, nous faisons plusieurs temps et dans le dernier bilan que nous avons avant de quitter NIP, avant de quitter Miragouane, nous avons fait état de 4 personnes au moins qui blessés. Par balle. Par balle. Et t'es un journaliste et qui t'es pris en cartouche tout dans des... Donc c'était une situation extrêmement explosive. Bon, il a rapporté que c'est journaliste Radio Timon. Radio Timon, oui. Donc c'est une situation extrêmement tendue que t'es gagné dans NIP et spécialement dans Miragouane. Comme joue comme journaliste. Qui est-ce? Qui groupe monde qui a tiré? Est-ce que c'est des groupes monde qui étaient pro monde qui mouria ou bien des groupes monde qui pro famille Lavalas ou du moins des monde qui proche délégué? Est-ce côté zam ça au sorti? Est-ce que c'est des monde qui était dans funérailles qui viennent assister ou bien c'est ennemi et monde famille Lavalas qui t'a tiré? Bon, et moi c'est que nous pas qu'a dit est-ce que c'est partisan PHTK, est-ce que c'est partisan famille Lavalas qui t'a tiré, qui t'a échangé tir? Parce que nous pas gain indice qui qu'a prouvé est-ce que c'est monde nous un nex civil armé. Effectivement, tu gain. Mais nex ça est-ce que dans funérailles arrivé ou bien c'est pendant avancé avec ce que là et puis mon en face tiré sur. Forme tout depuis dans déroulement et obsèques, tu étais dans une situation extrêmement tendue. Et par exemple, et dans plusieurs carrefours, ouais, tu gain watch, tu gain bouteille qui t'a tiré. Et même monde qui t'a assisté avec funérailles là, tu gain temps prédit que il a vu que bah il a gâté et puis devant. Et effectivement, quand arrivé Carrefour des Ruisseaux et puis échange de tir, mais la police était là, situation vient incontrôlable et même moi pour même agent la police qui prend balle. Oui, yo dit moi il y a plusieurs Hugo, c'est ça? Mm-hmm. Qui blessé. Mm-hmm. Donc c'est que là tu fait plusieurs temps à terre jusqu'à ce que nous vienne déplacer, nous quitter et Miragouane et puis non, est-ce que c'est ce que là ou bien mon gars en côté puis ce que là en côté. Bon, et vous pensez que là que gagne tir nourri non côté. Il a gagné c'était la terre négociateur. Mhm. Négociateur. Et la police ou dit que la police qui est victime
comme agir journaliste ou comment nèg ça arrive victime. Bon, on connaît gen échange de tir, gen groupe cap et cap échangé, la police nan mitan, donc certainement situation te vinn paraître incontrôlable, donc la police te sorti, te obligé faire ça le capable. Bon, non faire ça le capable. Moi c'est droit humain pour font mal sortir sur ça. Absolument. Oui, parce que là les policiers ont tiré mutuellement. Pour droit humain sortir son bail, il faut que on parle de ça tout. Oui, il faut reconnaître qui ça cap passé Miragwan, qui ça cause que ça fait comme ça. C'est enfin. Vrai que c'est Robinson François, c'est neveu Amata Jean-Philippe qui c'est un représentant famille Lavalas dans Miragwan. Mm. Est-ce que comment monsieur mouri même Robinson François? Robinson François mouri d'après ça il rapporté, c'est pendant l'île la Cali l'a dormi et puis il est rentré la Cali. Il est rentré la Cali, bandit rentré la Cali et puis il a tiré sur lui. Donc monsieur prend balle et puis il fait plusieurs jours dans morgue jusqu'à ce que c'est samedi dernier ont décidé faire funérailles. Est-ce que pas de information que tu dis c'est pas monsieur t'a cherché? Son l'autre monde t'a cherché. Oui, oui. Donc tu as mentionné que c'est tu as antécédent dans tout forme de c'est son zone extrêmement agitée parce que rapporté il y a des fanatiques Lavalas, des fanatiques PHTK, il y a d'autres groupes politiques tout qui pas dans danser collé. Donc bon c'est que c'est moins d'informations que nous disposer que nous capable faire public la part de ça ne connaît de situation ça qui est arrivé samedi 10 mars dans Miragwan. Qui j'en a pas la séo réagi par rapport à ça? L'on parle avec ou ça ou dit? Parce que faut au moins identifier des mouns. Si c'est pas eux qui a tiré. Bon, quelques réactions que m'te rivé recueilli, donc il y a un peu de monde qui dit que ça qui passe à eux regrette lui. Il n'y a pas de penser que c'était comme ça et situation t'as pas arrivé. Ça veut dire dans la zone là, yo connaît et Robinson c'était un Lavalas. Oui, Robinson c'est famille Amata Jean-Philippe que Mexico déjà qui c'est un bras droit et Nenel Kassi qui c'est tout représentant famille Lavalas dans Miragwan. Est-ce que pendant ta porter cadavre là, est-ce que tu as une chance d'identifier des éléments en dans funérailles là qui pas la police qui a sam nan men? Non, pas de possibilité ça. Mais vous dit que vous avez des civils et des hommes. Bon, ma parole est un échange de tir dans le niveau de Kafou de Wissou. Mais vous n'avez pas de chance d'identifier les gens dans. Non, c'est pas de possibilité. Mais la police pas là, pas sur place. Est-ce que la police est venue ou bien la police est sur place? Bon, la police est sur place depuis le commencement de la cérémonie. Depuis le commencement de la cérémonie, vous avez commencé à faire des petites agitations. Par exemple, il y a des gens qui te voulaient et barrer la route là. Et policier 8 beau t'es débarqué et puis t'es fait accès avec route nationale numéro 2 à t'es venu facile. Et Mexico c'est en fin et cérémonie côté t'es décidé faire tout sept tours avec ses cœurs Robinson François puis avant t'es enterré. Donc c'est là que situation t'a pas venu dégénérer que échange de tirs donc côté gain au moins 4 policiers qui blessés et puis un journaliste et arrivé à Athènes. Ça veut dire dans l'église tout était OK, c'est après que fin quitter l'église et puis l'obébité. Oui, dans l'église tout était OK, tellement toute bagarre était OK et nous gain député Printemps Belizer qui te prend la parole, te gagne tout et Chiller Louisdor qui te prend la parole dans nos famille Lavalas, te gain d'autres monde par exemple maître Axel Joseph te prend la parole dans nos et secteur démocratique et populaire côté yoté non seulement yoté mandé que famille Robinson François jeune justice donc d'une seule voix tout le monde était d'accord que crime ça qui passé dans niveau Miragwan pas supposé être impuni donc plusieurs interventions ont été faites dans ce sens et puis donc c'est à la fin que bagaille t'a pas venir dégénérer côté que échange de tirs entre groupes armés, groupes politiques rivaux qui te fait que funérailles n'a pas de continuer. Et dans différents discours, ça, comment tu interprété les discours et représentant Lavalas ou bien proche et... D'abord, dans le discours, le député Printemps Belizer, qui est député 3e circonscription de Port-au-Prince, et monsieur fait allusion avec question Petro-Caribéa. D'abord, il faut nous connaître que tu as un antécédent parce que Amata Jean-Philippe, tu as intention de déposer plainte dans le parquet de Port-au-Prince et sous question et dossier Petro-Caribéa. Donc, monsieur dit que faut que dossier Petro-Caribéa pas été en mi-chemin, faut que gain
des poursuites qui faites contre le monde qui est accusé dans la question et Petro-Caribé. Et puis tout, il y a M. Axel Joseph qui a mentionné que le crime ça fait contre le jeune Robinson François de servir de sérum pour bataille démocratique pour libérer le pays de régime qui est au pouvoir. Là. Donc c'était un enchaînement de interventions, tout allait dans le même sens. Il faut que y ait justice qui fait pour la famille Robinson François et qu'il faut que y ait des poursuites qui engagent dans la question et Petro-Caribé et Udrimont. Donc, Fonzo, au début, c'était une cérémonie qui était bien déroulée, pas de gain vraiment. Nous pas de senti vraiment, t'as pas le gain, agitation à la fin. Mais c'est au niveau de Carrefour des Ruisseaux, côté que situation t'as pas le gain. Ça veut dire, si nous bien comprendre, c'est pas discours dans l'église qui t'a pas dit qui incitait Mounio et fait ça qui passe. Donc, certainement pas. Et tout a été ok dans l'église. Comme une cérémonie funèbre et à l'ordinaire, pas de gain de. Pas de des messages qui violents qui capable porter mon yo aller faire action comme ça et donc c'est une situation qui était bien déroulée mais c'est me rappelle que c'est depuis là yo quitté l'église pentecostale de Berkin et yo pas décidé que mettre cadavre là dans corbia ou t'es décidé porter là mais donc il arrivé au niveau de Carrefour des Ruisseaux et puis situation t'as pas le vent mais la police dépassée par les événements et puis mon blessé et puis donc c'est comme ça film événement et t'es retracé dans niveau mais à Guan samedi qui t'est passé à Udrimont après et famille et moi t'es pas un cadavre là il y a le cimetière avec non et bon malheureusement nous t'es obligé de déplacer parce qu'on fait plusieurs heures de temps et cadavre là t'es abandonné et puis famille Robinson François t'es tapissé tout mais t'es à l'abri parce qu'il y a pas de cas continuer pas de cas et entrer pendant que il y a des échanges de tirs qu'a fait pour que eux-mêmes ne pas victimes. Ah bien, échange de tirs ça a été pour un pile temps. Oui, ce sont très belles questions. Échange de tirs ça a presque une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes côté entre la police et monde qui était armé ou du moins entre deux groupes rivaux. Ce samedi et dans échange de tirs, il y a des groupes politiques rivaux et puis la police tout a essayé mettre ouais c'est capable de mettre la situation sous contrôle c'est ça qui fait que grand pile gaz lacrymogène qui lancé pour être capable d'évacuer foule évacuer monde qui en difficulté pour que la situation soit capable de retourner à la normale donc la police te fait tout ça le capable de voyé gaz lacrymogène pour est-ce que la situation est capable de retourner à la normale bon malheureusement c'est comme ça et bagarre la fin et bon dernier bilan nous essayons de contacter l'hôpital Sainte-Thérèse dans Miragouane jusqu'à présent au pour que des morts d'hommes seulement blessés même qui blessés par balle. Ah ben OK d'accord merci beaucoup Hervé un peu plus tard n'a fait mon temps effectivement donc nous préparons un dossier dans télévision Scoop qui vient pour passer après-midi et puis sans compter sur radio à tout nous préparons un dossier sur événement ça qui est passé samedi 10 là dans Miragouane côté toutes les informations, tout les monde qui te prend la parole et puis un dossier complet sous funérailles Robinson François qui était fait dans Miragouane samedi dernier.